Salut YouTube, comment ça va? Moi bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une petite présentation d'un casque de la marque QSS. Une marque très peu connue de chez Action. Le Dynabass. C'est un casque filaire bien sûr. Pas Bluetooth. Hein. Je l'ai acheté... pas cher du tout. On va le tester. C'est un casque stéréo avec grand coussinet d'oreille pour un son isolé. Coussinet d'oreille matelassé et serre-tête pour plus de confort. Serre-tête réglable, serre-tête pliable. Prise jack 3,5 mm universelle compatible avec la plupart des appareils audio. Bien sûr, j'ai le petit ordinateur des familles, le HP, parce que mon smartphone, il a plus de port. Plus de port jack, hein. C'est un iPhone SE 2020. Plus de port jack. Fini les port jack. C'est fini. Faudra se contenter de peu. Là viennent de sortir les nouveaux Galaxy S21, ils vont bientôt sortir. Plus de port de carte SD, fini. On revient à l'ancien temps. Non, avant t'avais un port sur les Galaxy S7, t'avais un port SD et un port SIM, ou deux ports SIM si tu voulais pas mettre de carte SD. C'était ça, c'est génial hein. Avant c'était comme ça, maintenant tu reviens à l'ancien temps quoi. Je l'ai ouvert, voilà, dans sa boîte, le petit casque des familles. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il ressemble à un casque d'une très célèbre marque? La marque qui a été rachetée par la marque à la peau. Ça ressemble à un Beats. On dirait un Beats. Et ouais, racheté par Apple. C'est fou! Si on compare avec mon Beats un jour, il y a quoi dedans? Elle est pas claire. Nous allons le tester. Et je pense pas que c'est un casque que je vais garder longtemps. Il est bien. En fait, il est bien, il est confortable. Il tient aux oreilles. Pas mal. Il englobe les oreilles. On va voir le son maintenant. Oh la vache! Ça se voit que c'est un casque basse qualité. La vache! Comment il était? T'es sérieux? Ah non, je pensais l'avoir cassé. Ça se voit que c'est un casque basse qualité. Le son est pas ouf ouf. Mais en tout cas, il est magnifique. Et en plus, il se plie comme un Beats. La vache. Pour ceux qui veulent regarder juste des séries comme ça, écouter de la musique de temps en temps, ça va, mais pour un pro du son, faut pas l'acheter. C'est fou quoi. Oh, il y a même marqué. Les réglages 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais en tout cas, il est pas mal.
Ça fait penser aux Fobits. On dirait un faux casque Beats. C'est fou. Les faux casque Beats, ils font ça. Ils bougent comme ça. J'adore. Voilà pour ce magnifique casque à moins de 10 euros. C'est un magnifique casque. Mais je le recommande pas. Si, pour ceux qui veulent écouter leur série le soir avant d'aller se coucher, quoi. Écouter de la musique comme ça, free. Si cette vidéo t'a plu, tu lâches un pouce bleu. Tu mets un commentaire en dessous la description. De ce que tu veux comme vidéo, ou si tu aimes bien mes vidéos, si tu as acheté mes produits que j'ai testé les mêmes. Ou d'autres choses, tu t'abonnes à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Tu peux même m'ajouter sur mes réseaux sociaux, me dire que tu aimes bien mes vidéos, voilà quoi. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut YouTube!